Merci Madame la Présidente, Messieurs les Commissaires, Monsieur Dombrovski, Monsieur Schmitt, Madame la Ministre, chers collègues, engluée depuis un an dans la crise sanitaire et économique, l'Union doit anticiper les défis à venir, comme celui du climat. Préparer ce terrible futur exige beaucoup d'humilité. Cela demande notamment de comprendre ce que l'on peut continuer comme avant ou pas. Les règles budgétaires, jusqu'ici considérées comme immuables, ont été largement bousculées, qu'on le veuille ou non. Après des mois sans position claire du Parlement, je me réjouis évidemment d'un accord et du soutien par ce rapport à l'élargissement de la portée du semestre aux objectifs climatiques, environnementaux et sociaux de l'Union. Mais certains dogmes, comme les 3% du déficit, la réduction du déficit structurel de 0,5% du PIB par an, ou encore les 60% de dette ne trouvent plus écho aujourd'hui au sein de l'Union, étant rendues inopérantes dans le contexte. Ces règles ne font plus sens, ni pour les citoyens et citoyennes. Merci. Tout le monde d'après veut se reconstruire en ne laissant personne sur le bord de la route. Il nous faut d'urgence une révision profonde des règles pour notre planète et pour une justice sociale. Merci. Et ça.